Zeroz, ils font quoi là? Regarde, ils sont en train de s'approcher. Vite, rentre. Vite, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bon. T'as vu qui c'était ou pas? Mais non, je sais pas du tout. Non mais ça fait au moins 1 km qu'ils nous suivaient. Non mais je sais vraiment pas qui c'est là, ça fait super peur. Attends, j'arrive pas à fermer la porte. C'est une blague. Attends. Sonne. Ça sonne maintenant. Vite, dans la chambre. On leur ouvre ou pas? Dans la chambre. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va être bien pour vous. Mais pour nous, elle commence extrêmement mal. Oui. Par chance, j'avais la caméra quand on est parti. Là, en gros, on est parti se promener de nuit. Ouais. On s'est promené de nuit dans notre ville. Et là, on a fait une balade d'environ 2 km. Et vers la moitié de la balade, il y a des gens en cape noire et avec des masques entièrement blancs qui ont commencé à nous suivre. Mais ils nous suivaient d'extrêmement loin. Mais oui, vraiment, et ça faisait au moins 100 minutes qu'ils nous suivaient. Mais nous, on les avait repérés, quoi. Plus, parce que ça fait sur 1 km, donc ça fait au moins 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. Ah non, mais. Parce que ça nous a paru tellement long, le temps qu'ils nous poursuivent jusqu'ici. Ouais. Et en gros, bon, explique comment ça s'est passé. Donc, Niroz s'est arrêté pour refaire ses lacets. Bah, je les ai vus. En gros, je me suis arrêté pour faire mes lacets et j'ai entendu des bruits de pas derrière. Sauf que quand on se balade dans notre ville, d'habitude le soir il y a personne. Et en fait, eux, ils se cachaient derrière des voitures. À chaque fois qu'on se retournait, ils essayaient de se cacher. Ouais. Et de toute façon, vous avez bien vu. Attends, chut. Quoi? T'entends pas des bruits? Je pense que c'est trop léger, on les entendra pas à la caméra. Attends. Ils sont rentrés peut-être. Chut. Ils sont en train de rentrer. Quoi, sérieux? C'est sûr. Regarde. Ils ont réussi à... Ils ont réussi. Pas dans ta chambre. Faut se cacher ici. Vas-y, on va dans la petite pièce. Ok. Dans la cachette gaming. Dépêche-toi. En plus, cette pièce, elle peut se fermer à clé. Ah, y'a plus de lumière. Allez, dépêche-toi. Hop. Ici. Bon, les amis, pour ceux qui savaient, pour ceux qui savent pas aussi, avant, ici, c'était une cachette gaming. Ouais. Sauf que notre maison a été inondée. Du coup, on a dû tout enlever. Ouais, l'eau a coulé par ici. Ouais. Il y a dû avoir un trou dans le mur. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Mm. Bon, ici, normalement, ils sont censés ne pas nous repérer, ok? Ouais, j'espère. Parce que franchement, bah là, on parle un peu fort. Donc... Comment ils ont fait pour rentrer? On est repérés. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer alors que c'était fermé. Enfin, du coup, c'était pas fermé à clé, mais la porte était bloquée. Purée. Oh, mais c'est qui ça? Vous êtes qui? Vous êtes là. Comment ça, vous êtes là? Mais vous êtes qui, vous? Pourquoi vous nous avez suivis? Vous êtes qui, là? Oui, vous êtes notre maître. On le cherche partout. On va voir ce qu'ils sont venus faire. Ça, ok. Ils sont pas méchants, ils ont pas l'air méchants, ouais, je pense. Ouais. Vous êtes notre maître. Quoi? Comment ça, notre maître? Notre boussole. Vous avez dit que vous étiez notre maître. On va s'arrêter, qui êtes-vous? Nous sommes... Les masques blancs. Les masques blancs. Bah ouais, mais non, je suis pas... Non, on vous connaît pas. Pourtant, le médaillon nous indique... Bah, vous êtes vraiment trompé. Attendez. On essaie de comprendre. En gros, ça, c'est une sorte de boussole. Voilà. Et cette boussole vous a ramené vers l'île Rose. Tout à fait. Et c'est cette boussole qui nous indique... C'est possible. Qui est notre maître. Bon, on va sortir 2 minutes. Oui, on va sortir un petit peu. Allez-y. On va pas rester dans une toute petite pièce comme ça pour... Accomplir le rituel, vite dans ta chambre. Mais comment ça, accomplir le rituel? Niroz, ils ont pas l'air méchants. Bah ils sont surtout très bizarres en fait. Ils ont pas l'air méchants, ils ont l'air de dire que c'est toi leur maître. Mais n'importe quoi. Mais ça veut dire que si t'es leur maître, on s'en fiche que ça soit vrai. Même s'ils croient que t'es leur maître, ça veut dire que tu peux leur demander de partir. Tu peux leur donner des ordres. Ah oui, c'est vrai. Tu peux leur dire partez d'ici. C'est vrai. Attends, écoute. On va faire un truc. On va les laisser rentrer. Ah, venez, oui. Pourquoi vous fuyez? Vous avez raison, Lily Rose. En tant que maître des masques blancs, je vous ordonne de quitter la maison. Quoi? On ne peut pas. Comment ça, vous pouvez pas? Mais c'est votre maître qui vous le dit, vous devez quitter sa maison. Non. Nous devons d'abord accomplir le rituel. Non, mais quel rituel? Vous allez voir. Bah, waouh. Ton collier magique. Comment ça? Attends. C'est vous qui faites ça? Attends, mais je sens une énergie bizarre.
Mais qu'est-ce que vous faites à Lily Rose? Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous lui jetez un sort ou quoi? Ah, je suis malade. Oh les amis, c'est trop bizarre. J'ai senti une énergie trop bizarre. Ça m'a forcé à quitter la pièce. J'étais figé comme ça et d'un coup j'ai senti une odeur bizarre. Ça me grattait partout. Tout est devenu chaud. Mais du coup, Lily Rose, elle est restée dans la pièce avec eux. Ok. Bon, je suis pas très inquiet parce que si les masques blancs croient que Lily Rose c'est leur maître, ça veut dire qu'elle est plus forte qu'eux et ça veut dire qu'ils vont lui obéir. Attendez. Si c'est leur maître, ça veut dire qu'elle va devoir partir avec eux. Mais il y a hors de question qu'elle parte comme ça. Surtout que j'ai même pas prévenu Peppa Pink. Qu'est-ce que vous allez faire? Le maître n'est pas prêt. Le maître n'est pas prêt? Non. Mais il n'y a pas d'histoire de maître là, arrêtez vos bêtises. Non, notre maître refuse de vous voir et de vous recevoir. Oh, suivez-moi, dépêchez-vous. Où est le maître? Lily Rose. Allez. Lily Rose? Mais ça va? On part. Allez. Comment ça, on part? Partons. Lily Rose, suivez-moi. Suivez-nous. Mais de quoi suivez-moi? Mais je fais pas partie de votre équipe, je suis pas un masque blanc, moi. Allez. Vous avez bien vu, Lily Rose est devenue un masque blanc aussi. Comment ça, on va dans notre château? Et moi aussi j'ai le droit de venir dans le château ou quoi? Et... Oh, je sais pas où ils sont partis. Je vais devoir les suivre. Même si je dois prendre la voiture, je dois les suivre, c'est trop étrange. Bon. Allez, allons-y. Tu veux venir avec nous? Traversons le portail. Comment ça, traversons le portail? Et où? Et vous allez partir comme ça? Allez, nous n'avons rien à te dire. Oh, ils vont pas prendre le chat. Ils vont pas. Non! Vous allez pas prendre le chat avec. Hein? Ça suffit, c'est bête. Si. Les deux chats en plus. Je prends celui, gars. Il appartient à notre maître. Allez, dépêche-toi. Ils sont en train de partir, ils ont pris le chat avec eux. Bon, je vais laisser la porte ouverte, on sait jamais si ils veulent revenir. Mais ça tombe, depuis le début, Lily Rose fait partie de leur équipe comme ça. Et moi, je sais rien depuis le début. Surtout qu'elle a l'air d'accord. Ça tombe, elle les connaissait. Bon, de toute façon, les amis, visiblement, j'ai pas trop le choix. Ça a l'air d'être un truc de l'époque, là. Ils sont en train de revenir. Il est pas trop tard pour revenir, hein, si vous voulez. Ok, bon. Écoutez, les amis, je vais essayer de régler le problème. Je vais prévenir Peppa Pink. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer la cloche et surtout aller visiter notre boutique qui apparaît juste là où il y a nos gourdes, nos t-shirts, nos trousses, etc. Ou vous pouvez cliquer sur une autre vidéo qui apparaît juste là. Allez. Ah bah, vous revenez déjà? Où est le livre?